La restauration collective est devenue un enjeu très important dans les territoires, mais aussi au niveau national, avec cette fameuse loi Egalim dont on va parler tout à l'heure. Alors finalement, pourquoi la restauration collective permet justement la santé de la planète et la santé de chacun dans son assiette? Alors la Fondation, quand on y a travaillé, on a commencé à y travailler en 2007, on a vraiment, on s'est investi sur la restauration collective parce qu'elle permettait d'articuler deux enjeux majeurs, même s'il y en a évidemment beaucoup d'autres. Que sont donc d'une part l'alimentation, les enjeux autour de l'alimentation et de la transition écologique, et les enjeux sociaux. Alors évidemment, c'est toujours, voilà, on parle beaucoup de l'alimentation et de l'agriculture, voilà, au cœur des questions climatiques et biodiversité, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se remettre en tête un petit peu les chiffres, puisque finalement, ce qu'on observe, c'est que de rapport en rapport, qu'ils soient internationaux, européens ou français, on voit que l'alimentation, les systèmes alimentaires, les systèmes agroalimentaires occupent une place centrale finalement dans les enjeux de transition écologique et finalement de détérioration de notre environnement. Alors sur les questions de climat, finalement notre alimentation, on dit qu'en gros, un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont liées vraiment à l'alimentation. Donc il y a évidemment les modes de production, le transport et ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols. Donc l'alimentation, nos modes d'alimentation contribuent au dérèglement climatique. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que finalement, l'agriculture est elle-même fragilisée, l'alimentation est fragilisée par ce changement climatique. Et on oublie souvent ce deuxième volet, parce qu'évidemment, l'agriculture, voilà, nos modes d'alimentation contribuent au changement climatique, on essaye de voir comment réduire cet impact, mais finalement, on oublie qu'on scie une première fois la branche sur laquelle on est assis. Et finalement, on la scie une deuxième fois. Et c'est bien là où est le problème, puisque au-delà Tu des m'as enjeux l'air d'être climatiques, très optimiste, Amandine, dans ah ton mais on me demande de intervention faire là. Alors, l'éponge. restez Non, non, il y a assis. Vous plein êtes, de... on est en train de scier deux fois la branche. On scie deux fois la branche, mais justement, la restauration collective est une Il y a un solution. Je parachute? vais y revenir. Oui, il y a plein de parachutes. Donc, on scie une deuxième fois la branche, puisque finalement, là, on sait que notre alimentation aujourd'hui est issue d'un service que nous rend la biodiversité, qui s'appelle un service d'approvisionnement. Puisque l'alimentation voilà, est permise grâce au fonctionnement de la biodiversité. Mais ce que nous montre le rapport de l'IPBES, qui est le pendant du GIEC sur les questions de biodiversité, via un rapport de 2019, c'est qu'il a identifié finalement notre mode d'alimentation, nos systèmes agroalimentaires, comme étant la première cause des pertes de biodiversité. Alors, à travers notamment trois éléments, l'usage des pesticides dont on entend beaucoup parler et sur lequel on travaille aussi beaucoup à la Fondation, le changement d'utilisation des sols et notamment finalement les changements et la déforestation, notamment des forêts tropicales, puisqu'on a perdu 100 millions d'hectares de forêts tropicales en 20 ans. Et un troisième élément, la surpêche. Et donc ce rapport estime qu'environ 75% des espaces terrestres et 40% des espaces marins sont dégradés aujourd'hui à cause de cette activité, enfin à cause des systèmes agricoles et alimentaires. Donc on voit bien qu'en fait, on est au cœur de ces enjeux sur l'alimentation et c'est vraiment ce qui nous intéressait à la Fondation. Sauf que, évidemment, ça ne suffit pas et la dimension sociale de l'alimentation est tout aussi importante finalement. Et c'est là où on retrouve le levier fantastique qui est la restauration collective sur lequel on travaille depuis un certain temps. C'est que, alors évidemment, aujourd'hui, c'est 3 milliards de repas au total, dont 1 milliard en restauration scolaire. Mais c'est pour beaucoup, et on a l'habitude de le dire maintenant depuis de nombreuses années, c'est pour beaucoup le seul repas équilibré de la journée. Et en fait, cette dimension sociale qui est existante depuis toujours dans la restauration collective, elle a été largement accentuée par la crise sanitaire qu'on a connue l'année dernière et qu'on connaît toujours, puisque finalement, ces questions, notamment de précarité alimentaire, si on tire le trait un peu plus loin, sont d'autant plus importantes après cette crise. Notamment, il y a un sondage Ipsos et du Secours populaire français qui montre que finalement, aujourd'hui, il y a un Français sur quatre qui restreint les quantités dans son assiette et un sur sept qui saute des repas. Et là, on comprend bien finalement toute la place que peut occuper la restauration collective, à la fois en termes de demande pour une agriculture de qualité, pour une pêche durable, mais aussi pour fournir au plus grand nombre des repas sains, équilibrés chaque jour.
Et cette dimension de la précarité alimentaire, ou en tout cas de l'accès au plus grand nombre à des repas de qualité, elle est d'autant plus importante chez les jeunes, puisque les jeunes sont en particulier touchés par cette précarité alimentaire post-crise sanitaire. Donc on voit bien que c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de santé environnementale, et c'est là où on retrouve toute la place de la restauration collective. Et tu parlais de parachute, Patrice, mais c'est un parachute fantastique, parce que c'est un parachute, par ailleurs, qui, comme il est implanté dans les territoires et qu'on parle de ce qu'on mange tous ensemble, puisqu'on est au quotidien, finalement, concerné collectivement dans la restauration collective, c'est un enjeu d'autant plus intéressant qui fait valoir aussi toutes les dimensions de démocratie alimentaire. Voilà. Comment on construit ensemble notre assiette? Comment on construit nos territoires? Comment on construit des filières plus durables? Comment on les relocalise? Et la restauration collective permet justement d'avoir une articulation entre transition écologique, justice sociale et démocratie alimentaire. Alors évidemment, il y a la loi Egalim, et Madame Merle en parlera tout à l'heure, et ça a été très important en fait, ce cap donné par la loi, donc de 50% de produits durables à 2022 dans la restauration collective, dont 20% de produits bio. Tu vas nous dire que ça ne va pas encore assez loin. Alors déjà, c'est très bien de donner un cap collectif aux acteurs, puisqu'on sait qu'il y a des collectivités qui se sont engagées depuis de nombreuses années, d'autres continuent de s'engager, mais finalement, se donner un objectif commun, c'est essentiel. Mais c'est vrai que bon, côté Fondation Nicolas Hulot, avec notamment le réseau Restoco, ce qu'on porte par ailleurs, c'est évidemment donner cet objectif, mais aussi s'offrir les conditions finalement pour les réaliser, pour les mettre en œuvre collectivement. Et c'est là où nous, on a travaillé plus précisément sur justement la nécessité de financer les investissements dans les restaurants collectifs, d'accompagner les collectivités encore un peu plus pour mettre le pied à l'étrier pour celles qui auraient des difficultés d'investissement financière, organisationnel, voilà, d'essayer de donner les moyens et le cadre permettant à tous de s'engager dans cette nouvelle perspective. Donc pour conclure, voilà, en quelques mots, c'est vrai que les trois mots-clés que je retiendrai, qui pour moi font vraiment le contexte dans lequel s'inscrit la restauration collective, c'est les questions de santé de la planète et de chacune et chacun, donc un objectif d'une alimentation saine pour tous, les questions de démocratie alimentaire, comme je disais tout à l'heure, pour se reconnecter autour des enjeux qui font notre alimentation et du coup qui font notre environnement et notre territoire. Et puis enfin, les questions d'accessibilité qui sont encore plus prégnantes aujourd'hui et sur lesquelles il nous faut encore plus travailler pour que la restauration collective puisse répondre aussi à ces difficultés croissantes des uns et des autres et de tout âge. Est-ce que tu crois vraiment qu'une petite commune, parce qu'on a des petites et des grandes en Loire-Atlantique, une grande, évidemment, ça peut changer la donne, mais une petite a un volume d'achat suffisant pour aider au niveau du territoire à remettre une agriculture de qualité. Ça peut changer la donne, la restauration collective, finalement marginal parce que c'est que 7% de l'alimentation totale, finalement. Alors moi, je crois beaucoup à l'effet levier en fait, de ces dynamiques-là. On ne peut pas faire croire et se faire croire que la restauration collective changera le visage de l'agriculture en France. En revanche, on voit qu'elle initie d'une part des échanges, elle initie des filières et elle fait, pour certains agriculteurs du territoire aussi peut-être, ou certaines filières ou certains acteurs, finalement voir les choses autrement, voir qu'on peut relocaliser une partie de notre alimentation, une partie de notre production. Et finalement, on voit que ces effets leviers qui font se poser la question de ce qu'on veut mettre dans nos assiettes, celles de nos enfants, celles de nos aînés, elle permet en fait d'ouvrir les débats sur les systèmes alimentaires en général. Et donc, moi, je crois beaucoup, et je pense qu'à la Fondation, notre investissement sur les sujets, on pense vraiment que la restauration collective, c'est vraiment voilà, un levier qui permet d'ouvrir la question de qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Merci beaucoup, Amandine. Je précise pour il y a encore une dizaine de personnes qui se sont connectées depuis le début de la visio. Je précise que vous n'avez pas raté Nicolas Hulot, malheureusement. Nicolas Hulot est malade tout simplement. On a dit qu'il a attrapé le Covid la semaine dernière et il a été brillamment remplacé par ma collègue Amandine Le Breton. Et pour présenter les enjeux, on va passer maintenant à la
loi Egalim, avec Valérie Merle, qui travaille au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et qui est spécialiste de la loi Egalim, avec un site internet tout nouveau. Valérie. Ah, Valérie, est-ce que vous pouvez remettre votre micro peut-être ? Parce qu'on vous avait tout à l'heure et là, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon. Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce webinaire en tant que représentante de l'État, effectivement. Et pour l'organisation de cette réunion très ouverte à une grande diversité de parties prenantes et d'approches. Donc moi, je suis Valérie Merle, je suis référente nationale restauration collective et donc je suis en charge avec mes collègues de la DGL, du ministère de l'Agriculture, de l'appui aux acteurs de la restauration collective pour leur permettre d'atteindre les objectifs des mesures Egalim dont je vais vous parler juste après. Et pour donner de la visibilité à cette politique publique ambitieuse et à laquelle on est tous attachés. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qu'on a présentés, qui sont effectivement les chiffres à la fois de repas, de chiffre d'affaires que représente la restauration collective. C'est pas négligeable, loin de là. Mais c'est aussi un milieu très complexe à appréhender parce qu'il y a beaucoup de sites de restauration, on en compte plus de 70 000, ce sont des milieux très hétérogènes, hein. On a des cantines scolaires, des hôpitaux, des EHPAD, des entreprises, des administrations avec des préoccupations un peu différentes, mais c'est néanmoins un secteur particulièrement pertinent pour la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, comme on l'a dit juste avant, et je partage tout à fait à la fois le constat et les ambitions. Effectivement, ce secteur représente un levier incontournable et en pouvant agir sur la composition des assiettes, on dispose d'un levier fort pour améliorer l'impact sur notre santé, sur l'environnement, mais aussi pour influencer en fait, positivement l'organisation des filières en agriculture biologique et dans les filières de qualité de façon générale. Les mesures en faveur de cette alimentation plus durable peuvent contribuer à modifier les comportements alimentaires, et notamment chez les plus jeunes, ça on l'a dit aussi, et c'est vrai. Je voudrais rappeler que sur le volet restauration collective de cette grosse loi Egalim, il y a 5 mesures essentiellement qui sont autant de premiers pas vers une alimentation saine et plus durable. On espère que effectivement on pourra aller au-delà, mais c'est déjà un socle commun, comme vous l'avez dit, et c'est déjà beaucoup. Donc ces 5 mesures, je les rappelle rapidement et on pourra y revenir peut-être dans les détails après. C'est au moins 50% de produits de qualité durable, dont 20% bio d'ici fin 2022, c'est-à-dire très vite demain. Une information obligatoire pour les convives et donc pour dans le milieu scolaire, pour les parents d'élèves, sur cette part des 50% et sur le commerce équitable également. La diversification des protéines, c'est les nouvelles recommandations santé et notamment le menu végétarien qui est un aspect de cette diversification protéinique. La lutte contre le gaspillage alimentaire et le don alimentaire favorisé. Et enfin, la substitution du plastique, qui est un autre problème, mais compliqué. Partant du principe que ces dispositions sont à la fois ambitieuses, tant dans leur contenu que par leur calendrier de mise en œuvre, hein, on est très vite sur des mesures qui sont soit d'application immédiate, comme l'information des convives, soit très vite en 2022, le ministère de l'Agriculture a souhaité mettre en place un projet de plateforme web avec une équipe de développeurs de la DINUM, donc c'est la division qui s'occupe des outils numériques dans le gouvernement. Cette plateforme s'appelle pour l'instant macantine.gouv.fr. Le lien est disponible tout récemment. Alors, on est sur une version bêta de cette plateforme. Et l'objectif, c'est deux principaux. D'abord, apporter une information stabilisée sur les mesures de la loi, qui elle-même s'affine au fil du temps et notamment grâce aux travaux de groupes de travail qui sont mis en place dans le cadre de la Commission nationale restauration collective. Et sur cette plateforme, vous trouverez un premier outil, qui est un outil d'auto-évaluation, qui est d'ailleurs largement inspiré de Mon Resto Responsable,
et des premières ressources pour aider les cantines à aller vers ces objectifs. Alors là, c'est le site qui s'affiche, macantine.egalimbeta.gouv. Voilà. Cette plateforme, elle est développée selon le modèle start-up d'État. Alors ça veut dire que c'est une façon très collaborative et de façon très itérative, ce développement est ponctué par des tests utilisateurs. Donc, on imagine un certain nombre de fonctionnalités et on les teste auprès de cantines utilisatrices. D'ailleurs, je profite de ce webinaire pour dire que nous sommes à la recherche de bêta-testeurs pour mieux coller en fait aux besoins des utilisateurs, puisque cette plateforme elle est vraiment orientée profil utilisateur. Mais elle servira aussi à moyen terme à collecter des informations et notamment à servir de réceptacle pour les télédéclarations d'informations en provenance de ces unités de restauration qui vont permettre d'assurer un suivi sur le long terme de cette politique publique de l'alimentation. Voilà. D'accord, merci. Tout ce que je veux dire, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, je suis désolée. Vous avez eu un petit peu plus de temps, mais Amandine a été un peu plus courte. Et ça ne va pas être la même chose pour les suivants, je vous préviens. Mais très, très bien, du coup, on a le site. Et puis, effectivement, c'est important puisque vous allez retrouver tous les détails des chiffres de la loi Egalim si vous posez encore des questions. J'ai parfois un petit peu de compliqué hein, entre les dates, etc. Donc, on les retrouve là-dessus. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ? Un mot de conclusion, allez voir sur la plateforme et donnez-nous votre avis et participez avec nous au développement de cet outil collectif. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant de voir les démarches de progrès dans lesquelles les restaurants collectifs peuvent s'inscrire. Il y en a plusieurs et je précise bien que toutes ces démarches sont tout à fait complémentaires. On va commencer par Mon Resto Responsable avec Marie-Cécile Rollin, la directrice du réseau RestoCo. Marie-Cécile, est-ce que tu peux intervenir ? Merci. Alors du coup, en introduction, je précise que j'ai mis là les logos des structures de Loire-Atlantique qui sont dans Mon Resto Responsable ou qui vont s'y inscrire prochainement. Il y en a aussi, puisqu'on a des personnes qui assistent à la visio qui sont dans d'autres départements de Loire-Atlantique, de Pays de Loire. J'avais plus la place, désolé. Bon, c'est plutôt bon signe. À toi, Marie-Cécile. Oui, donc en quelques mots, pour vous présenter la démarche Mon Resto Responsable, on l'a conçue il y a plusieurs années avec la Fondation Nicolas Hulot. Et nous, RestoCo, qui représentons la restauration collective en gestion directe, c'est-à-dire publique et associative, de tous les segments, à la fois scolaires, santé, médico-sociaux, restauration, entreprise. Donc cette démarche, on l'a voulu accessible à tous, gratuite et sans prérequis, pour qu'elle puisse accompagner les restaurants de collectivité où qu'ils soient dans une démarche de progrès. L'exigence que l'on a dans la démarche Mon Resto Responsable, c'est pas le niveau, mais c'est la progression. C'est une exigence de progression, une exigence de transparence avec l'ensemble des parties prenantes de son territoire. Alors, il y a trois étapes dans la démarche. Il y a d'abord un autodiagnostic qui se fait sur le site Mon Resto Responsable, qui vous permet d'analyser, de faire un état des lieux du service de restauration, à la fois sur le contenu de l'assiette, les éco-gestes, j'entends par là gestion des fluides, de déchets, l'engagement du restaurant sur son territoire et également le bien-être, qu'il soit des convives et des salariés. Le questionnaire en ligne se remplit en moins d'une heure et donne un état des lieux de son établissement. La deuxième étape, c'est la visite technique qui va être effectuée par un acteur déjà engagé dans la démarche. Cette visite, elle va permettre à l'équipe de définir les progrès à engager. Ensuite, elle va aller vers la troisième étape, qui est la séance d'engagement. Cette séance, elle a lieu avec plusieurs parties prenantes, les convives ou leurs représentants, des élus, des producteurs locaux, des acteurs du territoire. Elle va permettre de partager l'état des lieux et de rendre public les engagements que prend la collectivité auprès de ses parties prenantes. Ces acteurs présents seront ensuite, un an après, témoins de la garantie et la garantie de la tenue des objectifs et fixer de nouveaux engagements. C'est ce qu'on appelle une démarche participative de garantie et elle permet de
de donner à l'établissement le logo Mon Resto Responsable, qui est alors la preuve des progrès engagés et la tenue des objectifs. Alors la démarche, elle est également au service d'une animation de la dynamique des territoires, puisqu'elle crée du lien entre les collectivités, elle crée du lien entre la collectivité, les convives et les parties prenantes. Aujourd'hui, on a 1600 restaurants engagés dans la démarche, peut-être un peu plus, à la fois de la restauration scolaire, d'entreprises hospitalières, médico-sociales, des administrations. Voilà, elle s'adresse vraiment à tous. Elle est également un véritable outil pour suivre les objectifs de la loi Egalim et engager les progrès vers ces objectifs-là. Alors, à côté de la démarche, nous animons, pour accompagner les établissements, des temps forts territoriaux, comme par exemple celui qu'on vit aujourd'hui et qui permet d'accompagner les dynamiques territoriales. Pour finir, je préciserai que dans le cadre du plan de relance, il y a une aide pour les petites communes qui a été définie et qui permet aux collectivités, la restauration scolaire, petites et moyennes sont qui sont DSR cibles, d'avoir accès à un financement, financer la formation et l'investissement en matériel, en équipement, en démarche de progrès. Et donc là, Mon Resto Responsable peut vous accompagner sur un dispositif Mon Resto Responsable Petite Cantine pour vous aider à bénéficier de cette aide et à engager les progrès. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Alors, Mon Resto Responsable, c'est de toute façon une démarche gratuite. Tu n'as pas prononcé le mot, donc je le redis. Et effectivement, dans le cadre de l'aide aux petites cantines, le réseau RestoCo peut tout à fait, en utilisant l'outil Mon Resto Responsable, aller plus loin et vous accompagner. On passe à Lise Pujos, qui est responsable de EcoCert en cuisine. Lise, est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait. Eh bien, nous, on t'entend aussi. Donc, EcoCert en cuisine, c'est le label à la carotte bio, je dirais. Et en Loire-Atlantique, ce sont surtout des collèges qui l'ont obtenu. Oui, exactement. Déjà, un grand merci pour l'invitation. Juste en préambule, je vous explique un petit peu qui est EcoCert. On est un organisme de certification qui a plus de 30 ans, dont la principale activité, c'est de certifier l'agriculture biologique. C'est-à-dire qu'on vient vérifier le respect de la réglementation bio dans les exploitations agricoles, les coopératives, voilà, de la fourche à la fourchette, on a l'habitude de dire. Et en 2013, on a décidé de créer un label dédié à la restauration collective bio, saine et durable. Notamment parce que manger mieux en restauration collective, on en a un petit peu parlé en préambule, c'est assez complexe pour les cuisiniers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés pour se positionner et agir concrètement sur les problématiques et les enjeux comme le bio, le local, les OGM, les additifs, les plastiques, la détergence et bien sûr globalement le dérèglement climatique. Et du coup, on a créé une démarche en trois niveaux. Alors là, ce n'est pas trois étapes, mais c'est trois niveaux de progrès. Et bien sûr, les niveaux augmentent d'exigence, ils augmentent progressivement. Et chaque niveau permet une labellisation. Donc, on les voit apparaître, là, 10%, 30% de bio et 50% de bio. Ce n'est pas que le bio, bien évidemment. Il y a des critères au niveau de l'assiette, mais aussi au niveau de tout l'établissement, comme la lutte contre le gaspillage, j'ai parlé de détergence, la suppression des OGM, enfin, et tant d'autres. Et donc l'objectif, c'est de garantir une utilisation de produits biologiques, la qualité, l'équilibre nutritionnel des menus, une partie de ces produits qui sont locaux, la gestion environnementale du site et une information claire pour les convives sur les prestations, les démarches engagées, le niveau de labellisation. Et bien sûr, tout ça, c'est évidemment aussi pour valoriser son restaurant, bien évidemment. Alors, ce qui différencie notre démarche, c'est qu'elle est payante, contrairement à Mon Resto Responsable. Et par contre, c'est parce qu'un auditeur vient vérifier sur site la conformité des exigences, des critères du label qui est donc systémique. Et donc ça, c'est annuellement. Et donc cet audit, on va aller voir la cuisine, les stocks, les salles de restauration. Et donc pour ce label, toute la restauration collective peut aussi postuler, c'est-à-dire les établissements d'enseignement, de la crèche à l'université, les restaurants d'entreprise, administration, les hôpitaux, les EHPAD. Et actuellement, on a à peu près 2300 établissements labellisés, avec particulièrement du scolaire et des crèches, et dans le département de la Loire-Atlantique, il y a une douzaine de départements, et la Loire-Atlantique a plus de 5
collèges engagés, dont trois qui sont labellisés, hein, en niveau 1 pour le collège Jacques Prévert et le collège Auguste Mailloux. Et après, on a un niveau 2 également avec le collège Marcel Baron et deux autres qui arrivent très prochainement, qui se sont nouvellement engagés, qui sont le collège Hector Berlioz et Frida Kahlo. Voilà, et notre démarche est éligible aussi, comme vous l'avez dit, au plan de relance en activité d'audit. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on souligne bien que les deux démarches peuvent être tout à fait complémentaires. On connaît un certain nombre de structures qui sont Exactement. À la fois… Parce que ben, il n'y a pas le système participatif de garantie chez vous, puisque c'est un auditeur qui vient. Mais en revanche, dans mon resto responsable, il n'y a pas cette évaluation précise, il n'y a pas cet audit. Voilà. Donc, ces deux systèmes qui peuvent tout à fait se compléter. Et on en a de plus en plus, tout à fait. Je vais passer la parole à Fanny Lemaire. Alors, Fanny Lemaire, présidente d'Interbio Pays de la Loire. Fanny, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, Fanny. Alors, vous, c'est le label Territoire Bio Engagé. Et ce label, lui, il va de l'épi à la fourchette. Oui, voilà, exactement. Et en Pays de Loire, il est tout nouveau, tout bio, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Il est tout nouveau, tout bio, même si nous sommes une région historique pour l'agriculture biologique. Cette démarche, elle est nouvelle. Alors, l'Interbio Pays de la Loire, on va rappeler quand même hein, que nous sommes une association interprofessionnelle de la filière bio régionale. Hein. On est un collectif qui est organisé en secteur amont-aval citoyen. Hein, donc, on rassemble bien les producteurs à travers les GAB, à travers les chambres d'agriculture, les transformateurs, les distributeurs, les chambres consulaires CCI, les fournisseurs de gaz et services, et des associations de consommateurs. Donc, on fait vraiment toute la filière régionale qui tourne auprès du bio. On est soutenu par la région et par la DRAF. Et dans nos missions principales, c'est l'organisation de rencontres professionnelles sur des thématiques de la filière bio régionale. Donc, vous voyez qu'on est là pour vous soutenir. On fait la formation. Et puis, on accompagne aussi pour la transition alimentaire, notamment via les PAT, hein, ces projets alimentaires territoriaux. Et depuis cette année, nous sommes engagés dans Territoire Bio Engagé, qui est une initiative de l'Interbio Nouvelle-Aquitaine et que nous proposons maintenant pour les collectivités de la région qui veulent s'engager, puisqu'on voit bien aujourd'hui que l'alimentation et l'agriculture, hein, c'est bien au cœur des politiques publiques, hein, et c'est bien sous la responsabilité des collectivités. Donc, on est là aussi pour cette reconnaissance-là. Donc, et territoire vous avez... engagé pour toutes les collectivités territoriales, hein, que ce soit les communes, les EPCI, les conseils départementaux, les conseils régionaux, les restaurants collectivités. Les critères de labellisation sont la part de surface agricole bio sur le territoire qui doit être à minima de 10%, et puis la part de valeur et ou la part de valeur d'achat de produits bio pour les restaurations collectives qui doit être à minima de 20%. Oui, parce qu'autrement, vous m'expliquerez comment Saint-Sébastien sur vous m'expliquerez autrement comment Saint-Sébastien-sur-Loire est la première commune, alors que la surface agricole, ils n'en ont pas 10% de leur commune, de toute façon. Ben non, mais parce qu'ils ont la part de produits bio, d'achat de produits bio engagés pour leur restauration collective. Parce que c'est ou la surface agricole et ou la part d'achat de produits bio pour la restauration collective. On peut avoir les deux, évidemment. Dans la part de, voilà. On a des territoires bio qui sont uniquement sur la surface agricole. Hein, c'est et ou. Donc, en fait, on différencie bien soit avec un épi parce que vous êtes sur la surface agricole, soit avec une fourchette parce que vous êtes sur la restauration. Hein. D'accord. Donc, l'intérêt, en fait, de la labellisation pour territoire bio engagé pour les collectivités, c'est de communiquer auprès des citoyens l'engagement de la collectivité sur la qualité alimentaire ou la qualité et ou la qualité environnementale. Donc, c'est mettre en valeur le travail des élus et de leurs équipes hein, avec la garantie de la profession. Voilà. Et puis, il y a une mention spéciale Pays de la Loire pour la part de marché bio locaux. C'est pour ça qu'on est fort de vous accompagner, hein, puisqu'on aura tous les fournisseurs à vous proposer. Voilà, on est vraiment dans une démarche de progression avec des objectifs.
Alors, il y a un site, hein, il suffit de consulter le site Territoire Bio Engagé. Il y a un jury de professionnels régionaux, voilà, qui vous accordera bien sûr le label après l'étude de votre dossier, hein, où on aura bien les éléments de preuve ou de la surface, vous voyez, hein, avec 10% de la SAU, donc vous voyez les pics et la fourchette avec 20% d'approvisionnement. Merci. Relocaliser vos approvisionnements, hein, c'est bien ce dont vous parliez jusqu'ici avec des produits bio, c'est soutenir les filières locales qui sont engagées. Ben, voilà. Je pense que le message est passé. Donc, 200 collectivités, hein, qui sont engagées sur la France. À vous de jouer, pourquoi pas vous? Merci beaucoup. Et merci pour votre motivation. Je pense que vous êtes très entraînante, en l'occurrence. On va passer la parole, et ben oui, c'est le but, hein. On va passer la parole à Laurent Martinez, chef de projet territoire de commerce équitable. Laurent. Bonjour, merci Patrice. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Laurent Martinez, Le commerce équitable, je vais demander ceux qui sont contre, lever la main. Bien évidemment, en théorie, tout le monde est pour. Sauf qu'en pratique, les collectivités, ils ne pensent pas si souvent que ça dans leurs critères d'achat. Peut-être que c'est pour ça que vous avez créé votre label. Donc, tu peux nous expliquer tout l'intérêt. Oui, tout à fait. Ils n'y pensent pas et on est là pour leur rappeler que le commerce équitable est bien là et bien présent. Donc, je travaille pour Commerce Équitable France. Commerce Équitable France, c'est une organisation nationale qui est la représentation nationale de tous les acteurs de commerce équitable. La particularité que l'on a, c'est qu'on a à la fois des acteurs économiques et associatifs, donc des entreprises, des labels, des distributeurs, des gens connus comme Biocoop, comme Ethicab, comme Alongo, comme le label Max Avelard, enfin, je ne vais pas tous les citer. Parce qu'il nous reste assez peu de temps, je te signale. Tout à fait, on n'a que 3 minutes, tout à fait. Et donc, le label Territoire de commerce équitable est un label qui est piloté par 4 organisations, la Fédération Artisans du Monde, Faire un Monde Équitable, donc ils sont 2 associations qui engagent et qui ont des programmes locaux d'éducation, le label Max Avelard et Commerce Équitable France pour l'organisation pour laquelle je travaille. Et je voudrais citer l'association NAPS sur votre territoire. Et l'association NAPS qui est membre de Faire un Monde Équitable et qui est, j'allais en parler tout à l'heure justement, de ce qui se passe un peu sur le territoire de Loire-Atlantique. Donc ce label a été créé en 2000, c'est un label qui provient de Grande-Bretagne, il y a à peu près 2000 collectivités dans le monde qui sont labellisées, des très grosses comme Los Angeles à des toutes petites comme un village d'Alsace où il y a 800 habitants. Et donc les collectivités qui sont labellisées sont des collectivités qui mènent des actions pour intégrer le commerce équitable dans leur politique publique. Donc, bien sûr, dans la restauration collective, dans l'alimentation, mais pas que. On n'a pas trop parlé jusqu'à maintenant d'éducation, mais l'éducation dans la restauration collective est un élément important, surtout quand on a des convives jeunes, et que l'alimentation est un support d'éducation pour la transformation, pour la transition écologique, un levier extrêmement important. Donc, l'éducation est bien présente, la sensibilisation des habitants, que ce soit des entreprises, des associations, tous les acteurs du territoire. Et donc, les collectivités qui sont les plus exemplaires candidatent pour avoir ce label. Alors, vous, c'est vraiment un label pour le coup. C'est pour ceux qui sont à un niveau élevé. Voilà, ce sont ceux qui sont à un niveau élevé. Il y a un niveau d'exigence avec un jury indépendant. D'ailleurs, l'ancienne présidente de la Fondation Nicolas Hulot a présidé le jury 2018, hein, Audrey Pulvar, et il est composé d'experts du développement durable ou de l'économie sociale et solidaire. Et donc, les collectivités qui vont le plus loin, reçoivent ce label. On a donc sur le territoire la ville de Bueil en Loire-Atlantique, la ville de Saint-Herblain et Saint-Nazaire, qui n'avait pas été inscrit sur la liste, mais Saint-Nazaire est également labellisé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres collectivités qui font des choses pour le commerce équitable, puisque la ville de Nantes, Orvault, Rezé font des choses et participent justement à des actions avec l'association Nord-Sud Agir pour un commerce équitable, qui peut accompagner les collectivités, justement, à intégrer le commerce équitable dans leur politique publique. Et si j'ai encore un petit peu de temps pour un mot de conclusion, ce que je voudrais dire, c'est n'oubliez pas le commerce équitable. Il est effectivement bien présent dans la loi Egalim, puisqu'il est encouragé.
Il n'y a pas que les 50%, il n'est pas dans les 50%, mais il est encouragé dans la loi Egalim et il y a une obligation de progression et de communication aux convives. Et Lise Pujol, qui est intervenue tout à l'heure d'ailleurs sur le label EcoCert en cuisine, le commerce équitable est également dans ce label-là. Il est présent sur beaucoup de thématiques, il ne faut pas l'oublier. Et pour rappel, 86% des produits équitables sont aussi des produits bio, labellisés bio. Merci beaucoup, Laurent. Je vais passer la parole à Inès Rojvelta, qui, elle, est animatrice d'un observatoire. Alors, l'observatoire de la restauration collective bio et durable, comment Merci ça beaucoup. Marche et à quoi ça sert ? Alors, Inès Rovielta, donc salariée de l'association 1 plus bio. En fait, l'observatoire, il a été, donc c'est un observatoire national de la restauration collective bio et durable. Alors, le nom fait un peu peur, mais en fait, c'est une initiative qui a été créée en 2017 à l'initiative de l'association 1 plus bio, en partenariat aussi avec le label EcoCert en cuisine qui a été présenté, également avec un programme de recherche d'ailleurs qui s'est déroulé à l'Université de Nantes. Donc dans votre région, c'était le programme de recherche LASCO et le réseau Agores qui nous a rejoints en 2018 pour continuer l'aventure. Donc cet observatoire, c'est assez simple. En fait, il collecte, il analyse et il met à disposition de tous les pratiques, les leviers et les freins des collectivités engagées pour une alimentation bio et durable. Donc en fait, comment ça fonctionne cet observatoire? C'est vraiment simple. C'est une enquête qui est disponible sur le site internet que vous voyez apparaître ici. Cette enquête, elle est accessible en fait toute l'année et elle permet d'interroger tous les champs autour d'une démarche de restauration collective bio et durable, c'est-à-dire les politiques alimentaires que met en place une ville ou un territoire. Ça peut être aussi tout ce qui est pratique en termes d'approvisionnement de qualité. Ça peut être tout ce qui concerne l'écologie en cuisine, comme on en a parlé un petit peu, le commerce équitable, qui va rejoindre aussi bientôt les questions de l'observatoire. En fait, cet observatoire, comme beaucoup de démarches qui sont présentées aujourd'hui, le point commun, c'est de travailler sur le côté autodiagnostic et l'évaluation de sa démarche. C'est-à-dire qu'il permet en fait, de faire un état des lieux, de voir où on en est et du coup de mieux aussi définir ses objectifs, de pouvoir partager ces informations-là entre les différents services d'une collectivité. Donc ça, c'est vraiment un constat hyper positif qu'on a constaté dans les villes et les territoires qui remplissent l'observatoire, c'est de pouvoir, à un moment donné, vraiment se pencher sur sa démarche, de voir où on en est et surtout, des fois, de réfléchir à des choses qu'on n'a pas déjà mis en place et qu'on pourrait travailler. La deuxième spécificité de cet observatoire, c'est de pouvoir en fait capitaliser au niveau national toutes ces pratiques, toutes ces initiatives en matière de restauration collective bio et durable. Et du coup, d'avoir de dresser un paysage alimentaire de ce qui se passe aujourd'hui dans les cantines et pas uniquement sur des cantines qui sont très engagées. On a vraiment des collectivités qui sont très expérimentées, qui sont déjà à 100% bio, qui ont mené des démarches sur l'installation d'agriculteurs bio sur leur territoire, etc. Et on a aussi des collectivités qui débutent. Et du coup, ça nous permet en fait, d'avoir des références sur tous les niveaux de la transition alimentaire dans une cantine et pas uniquement sur un niveau très avancé. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui et surtout aussi d'avoir un panel de collectivités. On a des grandes villes, on a des intercommunalités, on a des territoires ruraux, des territoires urbains. Aujourd'hui, l'Observatoire, c'est 300 territoires, ce qui représente plus de 6000 cantines et donc vraiment 6000 sites de restauration et plus de 800 000 convives qui sont concernés. Donc, à l'échelle de toute la France, bien sûr, on est sur un échantillon assez restreint. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le seul observatoire qui, au niveau national, permet de référencer ces démarches et de nous en apprendre plus sur des thématiques spécifiques et du coup aussi de pouvoir essaimer toutes ces démarches. Donc, si vous avez envie de partager en fait ce que vous faites sur votre territoire et d'être référencé dans toutes ces démarches, Allez sur le site internet. Je vous invite à aller sur le site internet et à remplir l'enquête. Et juste une dernière précision qui est vraiment tout à fait technique.
c'est que le site de l'Observatoire, en fait, vous remplissez une fois l'enquête et après, vous n'aurez plus à remplir. Vous pouvez juste actualiser, voilà, mettre à jour certains champs. Donc, ce n'est pas un dispositif fastidieux. Ça prend au maximum une heure de votre temps pour remplir une seule fois l'enquête en entier. Et après, voilà, vous participez à cette dynamique nationale. Merci beaucoup. Alors, je ne pourrais pas prendre des questions. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main, mais on a un petit peu de retard du coup. Merci beaucoup. On va passer au débat avec les élus. Et effectivement, alors s'il y a des personnes qui peuvent répondre en direct, hein, Madame Maire le proposait tout à l'heure, je ne sais pas si, bien entendu, vous pouvez le faire aux questions, ou Mylène. Mais on va passer la parole aux élus, pour le coup, les élus des communes urbaines, pour un petit quart d'heure de débat, du coup, entre vous. Alors, Carole Grelot, maire de Couëron, Nicolas Martin, conseiller municipal de Nantes, et Laurent Turquois, maire de Saint-Sébastien. Je vous invite ces trois personnes à allumer leur micro, et je vais commencer par Carole Grelot, leur honneur aux dames. Carole Grelot, est-ce que vous m'entendez ? On ne dirait pas. Je ne sais pas si vous êtes connectée, Madame Grelot. Autrement, je vais passer à Laurent Turquois. Laurent Turquois. Oups, oui, je suis là. Alors, vous êtes là. Petite annonce de service, Mylène, si tu peux renvoyer l'adresse pour Madame Grelot, parce qu'elle a peut-être du mal à se connecter, son lien personnel. Monsieur Turquois, vous mettez l'accent, on en parlait tout à l'heure pour le commerce équitable, sur l'accompagnement pédagogique des enfants. Vous en faites beaucoup dans votre commune et vous dites aussi qu'un maire, ça doit montrer l'exemple. Vous payez de votre personne carrément, j'ai l'impression, vous avez l'air hyper motivé. Votre question elle appelle évidemment plusieurs éléments de réponse et plusieurs niveaux de réponse. D'abord, vous remercier pour la mise en place de cette conférence parce que nous, aujourd'hui élus, on est appelés à témoigner, mais je trouve intéressant qu'il puisse y avoir eu dans cette première partie la présentation de tous ces labels ou mesures de progression, puisque finalement, on en découvre, nous, en tant que maire, qui sont intéressantes et qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Mais pour reprendre les propos d'introduction de Madame Le Breton autour de tous ces enjeux auxquels on est confronté dans le développement de nos politiques publiques autour de la santé alimentaire, de la démocratie alimentaire et de l'accessibilité, souvent on a besoin d'aide pour structurer notre démarche. Et je vais parler que de ce que je connais bien, c'est-à-dire l'engagement de notre collectivité au sein de Mon Resto Responsable, mais également autour du label Territoire Bio Engagé. C'est vrai que pouvoir nous appuyer sur l'ensemble de ces démarches est absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que ce que je trouve intéressant dans notamment Mon Resto Responsable et cette mesure de progression, c'est que ce sont des démarches qui sont des démarches qui entraînent toutes les parties prenantes. Et dans toutes les parties prenantes, il y a notamment les élus. Et pour pouvoir, et pour répondre directement du coup à votre question, oui, forcément, les élus doivent s'engager de façon extrêmement volontaire pour fédérer autour d'eux à la fois les agents de la collectivité que l'on engage dans cette mesure de progression. Et évidemment, il y a des remises en cause parce que ce sont des axes d'amélioration sur lesquels on leur demande de travailler. Et je crois que c'est absolument indispensable que l'on puisse aussi fédérer autour de nous les premières personnes concernées, c'est-à-dire les enfants, et comment au travers des quatre axes ou des quatre piliers de Mon Resto Responsable que sont le bien-être, l'assiette responsable, les éco-gestes et l'engagement social et territorial, ils puissent être aussi sensibilisés au-delà de ce qui leur est servi dans leur assiette. Donc, vous l'avez compris, j'y ai vu là un élément, certes, de mesure de progression et d'évolution de nos modes de pratique, mais j'y ai surtout vu un élément fédérateur. Et d'ailleurs, si je reprends les différents labels qui ont été présentés, il y en a certains qui sont clairement de l'échelle de la collectivité, comme notamment Mon Resto Responsable. Et puis, si je rebondis sur un autre label qui détenu, entre guillemets, par Saint-Sébastien, de Mon Territoire Bio Engagé, vous
taquiner tout à l'heure sa présidente en notant qu'il y avait un « et où ». Alors évidemment, Saint-Sébastien a obtenu une première fourchette parce qu'avec plus de 25% de produits bio servis au sein des collectivités, on était éligible. Par contre, évidemment, parce que Saint-Sébastien est une ville très urbanisée avec plus de 27 000 habitants aujourd'hui, mais sur un tout petit territoire, c'est sans doute, et je tends la perche à Nicolas Martin, mon collègue conseiller métropolitain donc de la métropole nantaise, c'est évidemment plutôt dans le cadre du PAT qu'on a vocation à aller chercher cette logique de mutualisation entre nos collectivités pour atteindre ces objectifs à plusieurs sur la production, puisqu'évidemment, Saint-Sébastien ne peut pas être autonome. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout état de cause, voilà ma réponse. Un projet alimentaire territorial, et puis je vois que vous tendez la poche, la perche à Nicolas Martin, hein, le PAT, projet alimentaire territorial. Nicolas Martin, dans votre programme électoral, vous avez mis la barre très haut concernant le bio, et comme vous me disiez, on ne va pas vous le reprocher tout de même, mais du coup, il va falloir structurer les filières locales. C'est ce que vous disait Laurent Turquois, parce que d'autres collectivités mettent la barre presque au même niveau, et pas forcément aussi haut d'ailleurs, mais il en faudra vraiment pour tout le monde. Et quelle est la bonne échelle pour agir? Est-ce qu'il faut regrouper les achats entre les communes? Est-ce qu'il faudrait regrouper les cuisines? Qu'en pensez-vous? Alors, ben, d'abord, merci pour l'organisation de ce webinaire. Je trouve que le fait qu'on puisse partager avec des parents, des professionnels, des élus, des réseaux nationaux, la ville de Nantes est d'ailleurs membre de 1 plus bio, et pour moi, c'est une ressource précieuse qui nous permet aussi, entre élus à l'échelle nationale, hein. Je pense notamment à la ville de Montpellier, avec laquelle nous avons exactement le même nombre de repas servis chaque jour, c'est-à-dire 16 000 chaque jour, avec une cuisine centrale et 87 restaurants. Et c'est vrai que il y a le territoire, le projet alimentaire de territoire, il y a le territoire national, et on voit bien que l'ensemble des élus aujourd'hui, depuis la dernière élection, s'interrogent sur le modèle de restauration. On vient de passer près de 20 ans à avoir concentré des cuisines avec, nous on a une grosse cuisine hein, qui fait 16 000 repas par jour, mais on s'interroge aujourd'hui sur le modèle, est-ce qu'il faut aller plus largement, d'ailleurs en 2014 on avait fait le tour des communes de l'agglomération nantaise en proposant de travailler sur une cuisine encore plus XXL. Nos collègues maires nous avaient dit ben non, en fait, on préfère travailler sur l'unité plus locale. Et aujourd'hui, je pense qu'ils avaient raison en 2014. Et nous, on se réinterroge sur la pertinence de garder un outil aussi important de production, peut-être éclaté sur 3, 4, 5, 6 cuisines réparties sur le territoire. Ça renvoie à la question des appros. Enfin, d'abord, vous disiez qu'on avait un programme ambitieux, c'est vrai, 75% de bio d'ici la fin du mandat. C'est aussi un gros enjeu sur la sortie du plastique, qui rappelle la loi Egalim, on l'a peu souligné, mais il y a un gros enjeu de la sortie de ces unités de production. C'est aussi la question des repas végétariens, on en a aussi beaucoup parlé ces dernières semaines avec les postures de Lyon, mais derrière nous souhaitons aussi avoir une option végétarienne quotidienne et de repas végétariens. Donc sur la question des approvisionnements, tout ça forcément si toutes les communes souhaitent avoir 75% de bio, il va falloir que les filières s'organisent. Et c'est notre responsabilité, certes à l'échelle locale, de réfléchir à une meilleure alimentation, en écoutant parents, enfants, agents de la restauration, qui sont aussi les premiers artisans de ce qui sera dans notre assiette. Mais il faut aussi qu'on consulte et qu'on travaille avec les producteurs locaux. C'est dans cet esprit qu'on a travaillé avec une légumerie, notamment la légumerie du lycée Jules Leyeffel, hein, qui regroupe 20 producteurs et qui fournit aujourd'hui un certain nombre de légumes pour la cuisine centrale de Nantes. Et je crois qu'effectivement, il faut qu'on travaille davantage ensemble sur les approvisionnements. Alors, on a fait faire une étude par l'Agence d'urbanisme de Nantes qui a étudié l'ensemble des productions qui arrivent dans la cuisine centrale. Hein. C'est près de 1200 tonnes chaque année, 3 600 000 euros d'achats chaque année, et qui met en évidence, je donnais l'exemple de la pomme de terre, une pomme de terre aujourd'hui en Loire-Atlantique, c'est 3 750 tonnes qui sont produites,
dont 40% de bio, donc 1500 tonnes. Et à la cuisine centrale, on n'a besoin que de 45 tonnes par an. Donc on pourrait se dire, c'est facile d'aller obtenir ces fameuses 45 tonnes de bio, mais derrière, en fait, quand on regarde le conditionnement qui est demandé par la cuisine centrale pour produire 16 000 repas, ce n'est pas de la pomme de terre brute qui est arrivée dans la cuisine, elle est arrivée en surgelée, transformée, et a-t-on les outils de transformation sur les territoires qui nous permettent effectivement d'avoir ce type de produit. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'échelle du territoire sur non seulement soutenir l'émergence et les transformations en bio, ça c'est le rôle de la métropole nantaise, mais aussi de la région, hein, par ses aides. Et puis c'est aussi soutenir la transformation, les unités de transformation du territoire qui nous permettront d'atteindre les objectifs de la loi Egalim. Donc ce n'est pas si simple que cela. Avec une limite sur la taille des unités, du coup, on en discutait. On m'informe que Carole Grelot n'arrive pas à se connecter, le lien ne fonctionne pas, et ça m'est très difficile de lui en redonner un en direct, donc je parlerai un petit peu de l'entretien que j'ai eu avec elle, et du coup, elle se poser la question, elle, justement, de la taille, quoi. L'unité qui fonctionne bien, elle me disait qu'elle était prête à s'associer avec d'autres communes pour trouver de la production, pour trouver de la matière, mais pour la taille, est-ce qu'il n'y a pas une limite 4000, 5000 repas où on passe à quelque chose de trop gros après? C'est vrai que au-delà de 4000 repas, c'est un gros lycée. Donc ça, on sait faire en interne. Au-delà, ça devient vraiment des process industriels. Et dans tous les process industriels, il y a des avantages, hein. C'est plus facile de contrôler l'hygiène quand on a une seule unité de production. Mais c'est aussi des process qui nous permettent d'être plus éloignés aussi du consommateur. Et nous, on s'interroge vraiment sur la question de la taille. On pense que Laurent Turquois parlait tout à l'heure des enfants. Je pense que c'est très important. On a des commissions toutes les 8 semaines avec les enfants qui mangent dans les cantines nantaises et qui réinterrogent ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils vont manger, le contenu de l'assiette, et qui viennent discuter avec les cuisiniers, avec les enseignants. Oui. Encore faut-il que le cuisinier soit là. Tout à fait, mais ils viennent. Les cuisiniers sont invités justement pour venir voir. On développe beaucoup de plats végétariens. Et contrairement aux idées reçues, il n'y a pas plus de gaspillage alimentaire les jours où on a des repas végétariens. On a d'ailleurs plus de 1000 inscrits de plus à chaque fois qu'il y a une proposition sans viande ou végétarienne à la ville de Nantes. Mais on souhaite travailler ce lien pédagogique avec les enseignants, avec toute la chaîne en fait, du producteur. On parlait tout à l'heure de la fourche à la fourchette, mais il y a aussi l'enfant dans cette dimension-là, il y a les enseignants. Et on parle beaucoup d'école nature, la question du déchet, du biodéchet, comment derrière on peut avoir un composteur dans l'école, avoir un poulailler, retravailler aussi la question du sens de l'alimentation et permettre à des enfants des villes de mieux comprendre le système de production. Pour certains enfants, ce n'est pas si simple que ça d'avoir accès à la ferme. Ça nous semble important aussi que tout ça soit intégré. Et le fait que la restauration scolaire soit pilotée par ma collègue Ghislaine Rodriguez, adjointe à l'éducation, eh bien, le lien est fait. C'est-à-dire que la restauration scolaire, ce n'est pas un îlot, c'est pas juste de la commande et de la distribution de repas, ça s'inscrit dans un projet pédagogique plus large. C'est de l'éducation, effectivement, et Laurent Turquois le disait tout à l'heure. Enfin, moi, j'avais bien remarqué toutes les procédures d'accompagnement qui étaient mises en place dans les établissements de Saint-Sébastien. Merci. Alors du coup, comme je vous le disais, petite difficulté, désolé pour Madame Grelot qui nous entend peut-être mais qui ne peut pas prendre la parole. Moi, ça ne m'est pas possible de prendre la main pour l'instant, sauf à tout interrompre. Je voudrais juste dire que elle, sa motivation principale qu'elle a exprimée, c'est la santé. En fait, elle est rentrée dans une démarche de progrès. Alors évidemment, là encore, personne n'est contre. Hein, la santé, c'est vraiment éduquer pour elle les enfants à manger des choses simples. La santé commence par là et pas à manger ce qu'on mange d'habitude ou ce qu'on voit à la publicité, là qu'on voit à la télévision, je dirais, dans les repas tout préparés dont on vante les mérites. Hein. Madame Grelot, elle souhaite aussi influencer les parents par les enfants. Donc, ça suppose là toute une démarche éducative de refaire peut-être du plus simple
d'expliquer pourquoi et puis d'inciter les enfants à goûter, donc un gros travail d'accompagnement. Moi aussi, je voudrais souligner, on parle toujours de la, enfin, on parle souvent de la cuisine, on parle beaucoup moins du travail fait par les ATSEM, par les personnes qui accompagnent le temps du repas et qui est tout aussi indispensable. Vous mettez la meilleure qualité que vous pouvez dans l'assiette. Si les enfants n'ont pas le temps de manger ou sont dans des conditions désagréables parce qu'il y a du bruit, etc., ou s'ils n'ont pas l'encadrement qui accompagne le repas, ça ne fonctionne pas bien. Je vais proposer à Mylène, puisque je vois qu'il est, il est 18h, et je voudrais qu'on ait un temps de débat avec les élus des communes rurales, Mylène, de faire ressortir quelques questions, parce que je crois qu'il y en a beaucoup des questions. Mylène, tu as une lourde tâche. Eh bien non, en fait, parce que, enfin, oui, il y a beaucoup de questions, je te l'accorde, mais beaucoup de questions sont répondues en direct via le petit encadré questions-réponses auquel chaque conférencier a accès. Donc, en fait, les réponses arrivent au long cours. Bon, très bien. Donc, il n'y a pas quelque chose qui émerge. Alors après, c'est des choses très techniques et très spécifiques qui demandent du temps de réponse. J'ai peur qu'au niveau de la montre, ce soit compliqué pour toi si on rentre dans ce D'accord. type de questions. Bah, parfait, bah, on va débattre avec les autres. Je pense que c'est mieux de laisser la place au débat, effectivement. Oui. Merci. Alors, il y a juste Valérie Merle qui me signale sur le téléphone qu'a priori, l'adresse envoyée pour ma cantine est l'ancienne adresse, la nouvelle est macantine.beta.gouv.fr. L'adresse qu'on vous a communiquée tout à l'heure pour le site du ministère. La bonne adresse, c'est ma-cantine.beta.gouv.fr. Eh bien, merci. On va passer aux communes rurales et périurbaines avec, j'espère que tout le monde sera présent cette fois-ci, Richard Antier, adjoint Le Landreau, Sonia Feuillâtre, adjointe à Ligné, on l'a vu tout à l'heure. Chantal Maille est présente aussi, adjointe à Mesquer, et Anastasia Briand, conseillère à Saint-Aignan de Grandlieu. Est-ce que mesdames et messieurs, vous êtes là? Je vais commencer par Richard Antier. Est-ce que Richard Antier, vous êtes là? Raté. Alors, Sonia Feuillâtre, vous étiez là tout à l'heure. Oui, je suis là. Merci. Bonsoir à tous. Vous êtes dit, quand vous avez une idée que beaucoup ont eue d'ailleurs, hein, en diminuant le gaspillage alimentaire, vous alliez pouvoir mettre plus de qualité dans l'assiette. Sauf que vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère et vous avez carrément lancé une mission zéro. C'est ça. Une mission zéro qui a l'air de fonctionner puisque vous arrivez parfois à 2 grammes par assiette. J'ai dit 2 grammes, vous répétez 2 grammes. Alors, parfois, c'est bien ça. Alors, parfois, tout le monde pourrait le faire. Oui. Oui, après, ça dépend du menu du jour, évidemment, et des contenants. Mais oui, on réussit à être à 2 grammes. Là, actuellement, j'ai redemandé. Alors, nous sommes en gestion concédée et nous sommes avec la société. Restauration collective Restoria, qui a ce concept sur le 49. Quand ils nous ont vus au début de notre engagement, en même temps que la mairie de Saint-Sébastien, nous étions… Un jour avant, vous aviez dit. Voilà. Un jour après. Ah bon, après, d'accord. Même si on est petite commune, on peut s'engager. Et donc, on travaillait déjà sur le tri des déchets. Et quand la société Restoria a vu sur quoi on travaillait, d'abord, elle nous a dit « vous pouvez vous engager dans mon resto responsable ». Et puis, elle nous a emmené voir leur mission zéro sur le 49, qui nous a beaucoup plu. Donc, quand on est rentré de notre petit voyage du département à côté, nous avons créé des tables mission zéro déchets pour voir si c'était possible. Et comme Restoria a une petite mascotte, Radilatoc, nous avons d'abord travaillé aussi sur les déchets quotidiens, sur le pain qui était gaspillé. C'était un vrai gaspillage. C'était gaspillé, voilà. C'était énorme, moi ça m'affolait. Et donc, maintenant on arrive à avoir qu'une ou deux tartines, des fois dans le mois. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ils ont un gaspillé pain transparent qui permet de voir ce qu'on gaspille au jour le jour. Et sur nos tables zéro, mission zéro, les enfants, on a commencé à peser. Et puis, comme
les chiffres ne parlaient pas aux plus jeunes, nous avons mis en équivalent en pommes, en chocolat, voilà. Et comme tout le monde s'inscrivait aux tables Mission Zéro Déchet, nous avons dit, eh ben, passons le pas et investissons pour que tout le restaurant passe en Mission Zéro. Ah, c'est-à-dire que l'astuce, au départ, c'était qu'ils soient volontaires, en fait. C'est ça. Vous leur disiez… Qu'ils comprennent comment ça marche, voilà. Comment ça marche, pourquoi on ne gaspille pas. Donc, on a travaillé ensemble avec aussi même les enseignants. Et du coup, on est passé depuis 2019 à tout le restaurant en mission zéro. Donc, on a tout revu votre fonctionnement, l'organisation. Notre fonctionnement, voilà, notre organisation. Ça, j'imagine. Voilà. Donc, en fait, on ne remplit plus les poubelles. C'est déjà formidable. Plus autant qu'on… Oui, mais vous y arrivez. La question, c'est que vous y arrivez comment ? C'est disposé comment, du coup, le restaurant ? C'est un parcours. L'enfant n'est plus… l'enfant est acteur. Et il est comme dans un restaurant. En fait, il arrive, il va aller prendre son plateau, son verre, ses couverts, et il va directement au bar à salade, où là, il a les hors d'œuvre. C'est lui qui se sert. Le principe, il prend une assiette qui va lui servir tout le repas. Donc, le principe, c'est qu'il mette, s'il ne connaît pas l'aliment, il a le droit d'en mettre qu'un petit peu, d'aller à table, de goûter et de retourner. En fait, les enfants se déplacent dans le restaurant. Ça se passe très, très bien. Il n'y a pas de bousculade, rien du tout. Le but, c'est que pour aller chercher son plat chaud avec la même assiette, comme vous faites à la maison, en fait, il doit ne plus rien avoir dans son assiette. Et là, la cuisinière, la chef de cantine n'est plus derrière ses fourneaux, mais là aussi pour servir les enfants. Et donc, il y a des petits mangeurs, il y a des mangeurs, de gros mangeurs. L'enfant a le droit de choisir aussi de prendre qu'une moitié de viande ou de poisson. Il se sert en légumes à volonté. Et là, un petit ticket s'il veut retourner chercher son autre moitié pour ne pas gaspiller. Donc, il prend après son plat chaud. Son dessert a été pris en même temps que son verre et ses couverts. Et quand il va pour débarrasser son plateau, il ne voit plus rien rester. Donc, il y a une ambassadrice du tri qui va vérifier au niveau des plateaux s'il reste quelque chose. Et l'enfant sait que s'il reste un peu d'eau, ben, il doit finir son verre. S'il reste un petit peu, il doit manger. Bon, au début, je ne vous dis pas, les 15 premiers jours, il a fallu, ben, on a jeté un petit peu, mais maintenant, ils sont très habitués, on n'a presque pas de déchets. Pour vous donner, la société Restoria était en rendez-vous avec moi la semaine dernière, avec les surplus de cuisine, qu'il ne devrait pas y avoir, mais à partir du moment où ça a été ouvert, on ne peut pas les remettre. Donc, on est en moyenne, par convive, à entre 23 et 26 grammes, si on voulait faire une moyenne. Voilà. Ce qui est très peu, hein, la moyenne nationale est n'importe quoi, c'est dans les 120 grammes. Voilà, et ça, c'est totalement inadmissible. Mais donc, on peut descendre à 20 grammes. Alors, nous avons travaillé aussi avec les parents d'élèves. Maintenant, j'ai aussi une commission restauration scolaire avec les parents d'élèves qui se remet en place là, cette semaine. En fait, ce qu'on a vu aussi, c'est que dès que nos plats étaient en chambre froide ou en chambre chaude, à partir du moment où ils n'étaient pas sortis, ils pouvaient être présentés le lendemain pour un deuxième choix si l'enfant aime pas. Mais ça permet aussi de ne pas gaspiller. D'accord. Écoutez, voilà. Merci pour ce témoignage. Je pense que, du coup, vous dites effectivement que tout le monde peut le faire. Il s'agit d'avoir une méthode. Vous organisez des visites chez vous. Oui, êtes presque un lieu de pèlerinage, hein, donc, c'est ça. C'est ça. Nous sommes très sollicités par les autres communes qui viennent, alors que ce soit sur nos départements ou les départements voisins, qui viennent voir le concept. Alors, non seulement nous ne gaspillons pas, mais nous avons moins de bruit dans le restaurant. Des enfants qui sont heureux, donc on a eu quelques reportages, des enfants qui ne veulent surtout pas revenir à la restauration qu'ils avaient traditionnelle, et voilà, qui prennent plaisir à venir déjeuner au restaurant.
Bon, mais merci. Je pense que vous aurez quelques coups de téléphone ou vos services en auront prochainement. Chantal Ley, vous êtes à Mesquer, donc en bord de mer. Quand vous parlez de produits locaux, c'est vraiment local pour vous. Et idem pour les matières, pour les déchets organiques. Est-ce que vous Tout pouvez à fait. Dire cela? Et évidemment, c'est un travail que vous faites avec votre chef. Voilà, donc effectivement, on est bord de mer, on a cette chance-là, on est commune rurale. Attendez. On ne vous voit pas totalement là, voilà, oui, ça va être mieux comme ça. Voilà, on est petite commune rurale, donc c'était tout à fait logique. Enfin, le choix a été fait de privilégier ce qu'on avait sur notre territoire. Le poisson, la viande, tout ce qui est légumes, c'est vraiment, on travaille vraiment avec le local, avec des fournisseurs de la commune, ce qui est le cas par exemple pour le pain, pour le sel bien sûr, parce qu'on est au pays du sel, tous des produits laitiers, on a aussi des fermes sur la commune, et puis de volailles et choses comme ça. C'est pas parce qu'on a des fermes sur la commune qu'on arrive à travailler avec. Ah oui, donc, mais là, on arrive à travailler avec. On arrive quand même, malgré nos 100 convives à midi. En fait, l'avantage, c'est que du coup, le fait d'être avec quelqu'un qu'on connaît, qui est à proximité, on peut très bien avoir des petites quantités à des prix qui sont tout à fait raisonnables, puisqu'il n'y a déjà pas le souci de l'impact carbone et du transport. Et c'est un travail qui a été fait entre le chef et les locaux. Juste pour vous dire, par exemple, le poissonnier, si quelquefois il a... on prend souvent l'exemple des langoustines, c'est quand même un coût, mais quand les en restauration collective, j'en connais pas beaucoup dans les langoustines, moi, en restauration scolaire. Donc, si c'est le cas, il arrive à avoir des langoustines à pas très cher, il appelle le chef et il lui propose. Donc, nos enfants peuvent arriver à manger des langoustines au restaurant scolaire. Bon, je ne dis pas que c'est tous les jours, hein, mais voilà le genre de choses, d'action qui peut être, qui est fait en relation avec le chef. Et puis, ce qui concerne le pain, donc, bon, on n'a qu'un seul boulanger qui fournit tous nos commerces, je dirais, en fait, parce qu'on est quand même beaucoup d'hébergement touristique aussi et qui travaille. Vous dites l'été, c'est 20 000 repas. Enfin, pas au restaurant. Pas 20 000 repas, mais l'été, c'est 20 000 personnes sur la commune. Donc, vous voyez un petit peu la différence de population. Donc, on s'adapte, hein, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est donc alors les déchets, on travaille vraiment en circuit court et je dirais même en circuit fermé, puisque depuis peu on travaille avec une société qui est sur Guérande qui s'appelle In Situ, qui elle récupère, en fait a mis à disposition pour le restaurant scolaire un grand composteur où on récupère tout, y compris les produits carnés, donc à savoir le poisson et puis la viande. Et ce composteur donc reste pendant une certaine période. Là, c'est très récent, hein, donc pour l'instant, il a été installé, je crois, début février. Mais je suis passée le voir encore la semaine dernière. Il est quasiment plein. Et donc, il récupère tout ça qui va être recomposté, redistribué à nos producteurs locaux, par exemple pour les légumes. Notre fournisseur est un local. Et donc, voilà, la boucle est bouclée. On récupère, on réutilise, je dirais, nos déchets. Donc, on essaye effectivement de réduire au maximum. Alors, je félicite la ville de Ligné parce que donc on a travaillé énormément. On en est encore à 90 grammes. Mais c'est la tendance pour tout ce qui est déchets. Et par exemple, pour le reste des déchets, entre les bacs jaunes et puis le verre, et bon, encore le verre, on en a peu, mais mon chef me montrait que les poubelles ordures ménagères classiques, elles ne lui servent que pour les cartons, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, ce qu'il faut pour les cartons. Donc, il n'a rien dans sa poubelle, en fait. Alors, ce qui est formidable, c'est justement tout l'intérêt de ces différentes démarches et l'intérêt, je pense, d'une réunion comme aujourd'hui, c'est que vous échangez, en fait, et il y a des gens qui sont spécialistes de tel domaine,
d'autres qui sont spécialistes dans un autre. Il y a finalement assez peu de restaurants qui sont spécialistes de tout, ce qui paraît un petit peu normal, mais échanger surtout entre vous. Complètement, c'est vrai. Et donc, je voulais revenir quand même sur ce qui était mon resto responsable, concernant le jetable, avec parce que je vous avais parlé, monsieur Ravenou, qu'on avait commencé une démarche pour ce qui était du plastique. Et après renseignement auprès du chef, en fait, c'est végétal, c'est-à-dire les produits qu'on utilise, les gobelets par exemple, sont en matière végétale. Donc je pense qu'il en parlera lui plus facilement la prochaine fois. Mais c'est pour ça que donc au bout d'un certain temps, ils peuvent être recyclés aussi. D'accord, merci pour cette précision. Effectivement, on aura un deuxième webinaire dans 2 semaines, hein, où je rappellerai l'adresse tout à l'heure pour ceux qui voudraient s'y inscrire. Je vais passer la parole à Anastasia Briand, qui est conseillère à Saint-Aignan-de-Grandlieu et qui n'est pas responsable restauration, mais responsable développement durable. Et oui. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Moi, je suis responsable en fait en développement durable, responsable conseillère municipale, et je suis en charge de l'agenda 30. Donc, effectivement, dans l'agenda 30, on a ces spécificités de développement durable. Donc, nous, en fait, on est contents de rejoindre le resto responsable. C'est vrai que c'est une action bénéfique pour nous. Alors, une des actions, c'est que vous-même, vous mangez de la viande, mais vous vouliez témoigner du fait qu'un menu végétarien, ça fonctionne bien, c'est déjà en place, hein, à titre de test, mais vous me dites que c'est un truc que vous ne regrettez pas et que vous allez pérenniser. Il peut y avoir des communes qui se posent des questions, vous, pas du tout, là, en l'occurrence, ça marche. Alors, nous, ça marche très bien. J'ai recontacté le chef ce matin, justement, pour refaire un point avec lui approfondi de ce menu végétarien. Donc, en fait, on a un menu végétarien toutes les semaines pour les enfants, au restaurant scolaire. Ça fonctionne très bien aujourd'hui. On a constaté qu'il n'y avait pas d'augmentation de déchets. Donc, en fait, le jour du menu végétarien, aucun déchet supplémentaire par rapport à notre courbe des pesées de déchets sur les autres jours de la semaine. Les enfants ne se plaignent absolument pas, les parents d'élèves non plus. Lors des commissions menus, on n'a pas de remontée en fait négative de ce menu végétarien, et en fait nous faisons le choix de le faire à la fin de cette expérience de 2 ans là, de le continuer dans le temps. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur en fait sur la commune de Saint-Aignan, et voir peut-être augmenter à 2 jours par semaine ce menu végétarien. Et vous n'avez pas un problème de recettes au bout d'un moment? Est-ce qu'il y a des échanges de recettes entre les chefs? Qu'est-ce qu'ils mangent dans le menu végétarien? Alors non, c'est parfaitement... c'est très variable en fait. Là, par exemple, demain, c'est venu végétarien et c'est un hachis parmentier de lentilles. Donc là, le chef m'a dit ce matin, l'hachis parmentier de lentilles, demain, il n'y aura pas de déchets dans les assiettes, ils adorent. Il y a couscous végétarien. Enfin, vraiment, il y a une diversité des menus végétariens qui ne posent aucun problème. Les enfants, en fait, ce que me disait le cuisinier, c'est qu'ils ne voyaient pas, en fait, il y a certains enfants ne s'apercevaient même pas qu'ils ne mangeaient pas de viande. Donc, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Surtout que le chef, en fait, chez nous, il sert les repas. Il est là pour le service, il interroge les enfants, ce qu'ils pensent des repas lors des temps du midi. Donc, vraiment, il n'y a pas de remontée négative. Et pour nous, c'est que du positif. Et on compte bien, en fait, faire perdurer cette action, hein. Je voulais savoir si, avant de vous repasser la parole, Madame Briand, je voudrais savoir si Richard Antier a réussi à se connecter. J'étais sans nouvelles depuis tout à l'heure. Richard Antier, de la mairie de Le Landreau, mais apparemment pas. Donc, désolé, on a quelques soucis de connexion. Ça fonctionne bien, les webinaires, mais ce n'est pas encore une solution totalement miraculeuse. On en est désolé. Je voudrais vous repasser la parole, Madame Briand, sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, et moi qui me tient personnellement à cœur, c'est les produits d'entretien. Les produits d'entretien qu'on voit en publicité à la télévision, produits miracles qui sont aussi efficaces pour l'intérieur du poumon des poumons de vos salariés que pour les sols. Vous, c'est une problématique qui vous tient à cœur, les produits d'entretien. Alors voilà, nous en fait, on a fait notre petite réunion en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer déjà dans l'option mon resto responsable. Et en fait, on a quand même
mis le doigt sur les produits d'entretien, comme vous dites. Donc aujourd'hui, en fait, on fonctionne avec des produits écolabellisés, mais en fait, on se dit que pour demain, ces produits, même s'ils sont écolabellisés, il serait bien qu'ils disparaissent de notre système de scolaire, de restaurant scolaire. Du coup, nous, on aimerait en fait utiliser des machines à vapeur pour désinfecter les sols et les surfaces, les tables, les chaises, afin de pouvoir en fait irradier tous les produits, les composants chimiques de la cantine. Ouais. Donc ça n'a pas encore mis en œuvre, mais voté au budget, si j'ai bien compris. Alors, voter au budget, budget quand même derrière. Je regarde, mais voilà, c'est ça. Donc, on est en train d'estimer déjà combien au niveau du budget et avoir après, effectivement, pour le passer au budget, peut-être pas cette année, mais au moins l'année prochaine, oui. Alors, de retour d'expérience d'autres établissements, on sait que c'est 4 à 5 000 euros pour un nettoyeur vapeur. C'est du professionnel, évidemment. Hein. Ce n'est pas le petit truc qu'on a à la maison. Oui, puis il faut prendre des produits de qualité. Donc, c'est vrai que nous, on aime bien aussi prendre des produits qui durent dans le temps, que ce soit pour l'aménagement de la cuisine ou voilà, on essaye et de… c'est éco-responsable, de prendre des produits qui durent dans le temps et qui sont réparables. Très bien. On essaye, oui, tout à fait. Mais donc voilà, c'est une problématique, la problématique des produits d'entretien qui, à notre avis, est un axe de progrès à part entière. Et c'est même avant les enfants, ce sont les salariés qui sont victimes des produits d'entretien trop puissants et trop chimiques. Donc, je vous incite à prendre soin de la santé de vos salariés également et de passer à des produits d'entretien respectueux, moins nocifs pour la santé. Oui. Est-ce que, du coup, on a des questions qui nous remontent. Alors, Mylène, tu vas me dire que finalement, tu n'as plus de travail à faire parce que tout le monde a répondu au fur et à mesure. Dis-moi tout. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, je me rebranche. Oui, il y a beaucoup de questions, mais voilà, elles sont vraiment résolues au fur et à mesure. On a des questions sur la réglementation loi Egalim, donc bon. On ne va peut-être pas partir sur les détails de la loi. Peut-être pas les questions réglementaires, mais pour alimenter le débat, ou des questions qui ressortiraient concernant les élus qui sont présents, qui pourraient y répondre. Alors, je rejette un coup d'œil. On nous demande si le menu végétarien peut être responsable, c'est-à-dire absence de soja du Brésil, par exemple, protéines végétales de qualité. On y demande. Est-ce que Marie-Cécile, tu es toujours en ligne? J'essaye de faire appel à une professionnelle. Parce que moi, j'ai un petit avis là-dessus, mais je ne suis pas professionnelle de la restauration. Ou autrement, un autre élu, bien évidemment. Un élu qui pourrait répondre. Du côté de RestoCo, ce qu'on promeut, c'est des repas végétariens faits maison. Et ce que l'on souhaite, c'est que les équipes soient formées pour qu'elles puissent s'investir aussi dans ce repas végétarien. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, il y a parfois un recul en arrière, on a peur, donc on prend des produits industriels qui sont estampillés loi Egalim, et puis on se rassure. Et en fait, il faut les accompagner les équipes avec de la formation, avec du partage de recettes, pour leur permettre de s'approprier aussi ces nouvelles techniques culinaires, et de créer leurs propres recettes végétariennes. Alors, on peut en partager, mais on sait aussi qu'il faut qu'elles soient adaptées aux convives. Il y a parfois des comportements un petit peu différents d'un convive à un autre. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de les tester auprès des consommateurs que vous avez, des convives que vous servez au quotidien. Merci. Pendant ce temps-là, évidemment, Mylène, tu nous as fait remonter une autre question, j'imagine. Oui, il y a des interrogations à propos du plastique également. Ah tiens, c'est surprenant ça. qui veut prendre la parole parmi les élus peut-être concernant les plastiques? Parce que plusieurs élus ont travaillé sur le sujet. Moi, je veux bien dire un mot. C'est un sujet compliqué parce que pendant près de 10 ans, enfin même près de 15 ans, on s'est construit autour du plastique, c'est fantastique, et que l'appareil de fabrication des menus, il tourne autour d'une thermoscelleuse, enfin tout tourne autour de cet outil barquette plastique. Et donc pour en sortir, je crois que l'on a fait, hein, ça nécessite de... on l'a fait sur
les verres, enfin tout ce qui est vaisselle, ça c'est assez facile à faire. Et après, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de toutes ces barquettes qui sont distribuées. Il faut changer en fait l'appareil. Si on veut passer à l'inox, par exemple, il faut derrière remettre des plats inox, mais derrière, il faut mettre en place la chaîne de nettoyage, de stockage, de retour à la cuisine centrale. Et pour ça, il faut de la place. Dans 87 restaurants, il faut refaire le diagnostic de chaque restaurant. Le temps qu'il faut pour nettoyer ses bacs, pour ensuite avoir l'espace pour les stocker, et ça prend un peu de temps pour le faire. Donc c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour nous, en tout cas, de sortir du plastique. C'est pour ça que la loi donne un petit peu de temps, mais les parents d'élèves sont davantage pressés, et puis les élus aussi. Du coup, vous c'est pas un manque de bonne volonté pour vous, si j'ai bien compris, et vous êtes conscient du problème. On est très conscient du problème, oui, et très concerné. Et on sait que c'est un sujet très, très important pour les parents. Donc, et les cuisiniers aussi préféreraient travailler autrement. Donc, il y a une vraie volonté collective. Après, techniquement, ça demande des investissements importants pour changer le modèle. Et derrière, c'est aussi la logistique. Par exemple, quand on prend des bacs inox, le poids des camions est supérieur. Donc, derrière, il faut acheter des camions pour pouvoir distribuer, ne serait-ce que distribuer ces plats en inox dans les restaurants. Donc, ça modifie de façon très sensible la chaîne d'approvisionnement. Et on sait qu'il y a une urgence là-dessus, et on va mettre le paquet là-dessus, en tout cas dans l'année qui vient et bien sûr les années qui viennent. Alors, c'est peut-être plus facile en petite commune, puisque souvent, nous, tout est fait sur place. Et du coup, dans notre conception Mission Zéro, nous, on a dû racheter du matériel, des assiettes. On a très peu de plastique. On ne mange pas dans des barquettes plastiques. Tout est en grand plat. C'est l'enfant qui se sert. Donc, on a dû acheter un peu plus de vaisselle parce que ça demande aussi une rotation. Et même notre société de restauration, Restoria, travaille également sur diminuer ces plastiques. Donc, tout ce qui va être fromage blanc ou autre, ce n'est plus du tout des contenants individuels en plastique. Et ça va même dans des conteneurs où l'enfant a un petit robinet comme pour manger de la soupe, où il se sert lui-même et il compose avec des raisins secs, des céréales, des petits Smarties, voilà, il compose lui-même son dessert. Merci. Mylène, encore une question? Je rebranche mon micro. Des questions qui résonnent un petit peu avec ce qu'on vient de... Il y avait des questions par rapport à la crise sanitaire, justement. Est-ce qu'on n'a pas un peu de retour en arrière, c'est ça la question? Ça, voilà, on peut donner la réponse. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce qu'un élu veut témoigner là-dessus? On espère que ça va être provisoire. Mais... Alors voilà, nous on a mis au mois de juin, on a été obligé de retourner, comme tout le monde, à l'assiette à table servie par les agents. Ils ne pouvaient plus se déplacer. On a eu un retour en septembre, on a pu reprendre, mais en rachetant plein de cuillères, parce que chacun a presque sa cuillère. Donc voilà, on a racheté plus de 250 cuillères d'un coup pour que chaque enfant puisse se servir lui-même. Et puis, nouveau confinement et à nouveau de nouvelles règles avec les distanciations. Et du coup, ils sont servis à table, à le temps de revenir à la normale, retour à la normale. J'ai encore une question. Tu m'as laissé la parole, hein, Patrice. Voilà. Oui, on a dit 18h30. Je pense qu'on va finir à 18h30. Voilà. Pour la ville de Mesquer, vous insistez sur le local, mais le local n'est pas pris en compte dans la loi Egalim. Comment allez-vous atteindre les objectifs de la loi? Ça, c'est la colle, hein. Non, parce qu'on est aussi resto responsable, donc il y a aussi du bio. Hein. J'ai pas. Et puis votre local peut être bio, hein, c'est pas incompatible. Oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr. Donc il y a d'autres fournisseurs, donc sur les communes alentours où on est sur du bio. Donc là-dessus, comme on est déjà resto responsable, sur le bio et sur la loi Egalim, on est déjà dans les clous, je dirais.
Merci. Eh bien, moi, je voudrais en dire un mot sur le travail des équipes de manière générale, parce que je me fais le porte-parole de Richard Antier, adjoint de Le Landreau, donc il n'a pas pu s'exprimer. Et lui, il s'est engagé, enfin, sa commune s'est engagée dans une démarche de progrès. Mais en fait, ce n'était pas pour progresser, d'après ce qu'il m'a dit. C'est un peu paradoxal, parce qu'ils estimaient que leurs prestataires fonctionnent. Ils ont un système où ils ont un prestataire, mais aussi en cuisine sur place, pour le coup. Et il y a une partie du personnel qui est le personnel du prestataire et l'autre partie qui est du personnel municipal pour le service. Et eux, ils estimaient que c'était du très bon travail et qu'il n'y avait pas grand-chose à améliorer. Et donc, ils se sont engagés dans une démarche pour valoriser le travail des équipes, pour mettre en avant, avec la garantie, le fait que les équipes font du bon boulot et pour le faire connaître. Moi, je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus. La restauration collective, moi, ça fait 5 ans que je connais le milieu et je trouve que c'est un milieu vraiment où les gens ont à cœur de faire des choses bien. Ils ont à cœur, ils ont un travail qui n'est pas facile, ils se lèvent de bonne heure et ils ont à cœur de bien nourrir les enfants ou les personnes âgées en EHPAD ou à l'hôpital, c'est vraiment très varié. Ils ne se lèvent pas pour que le contenu aille dans les poubelles, on est bien d'accord là-dessus. Et du coup, on doit vraiment applaudir le travail de la restauration collective comme on applaudit le travail des soignants ces derniers temps. Voilà. Moi, je voulais ne pas terminer ce webinaire sans saluer le travail de tous ces personnels. Je vais vous dire, avant de vous dire merci à tous, vous donner rendez-vous pour le 22 mars. On a à peu près 150 personnes qui sont inscrites déjà, donc c'est la même invitation que vous aviez reçue. Autrement, vous m'envoyez un mail sur l'adresse p.ravenot@fnh.org et je vous inscrirai. Vous soulignez qu'on était prévu 300 personnes à peu près. J'ai vu au maximum, on était 243 participants, avec 102 collectivités institutions. Alors pour nous, c'est le gros enseignement. Certes, c'est vrai que le titre, la restauration collective vue par les élus locaux s'y prêtait, mais d'avoir 102 collectivités et institutions qui s'inscrivent à ce type sur, on va dire, autour d'un département un petit peu élargi à tous les Pays de Loire, pour nous, ça signifie que c'est un vrai sujet, qu'il est pris comme un sujet important par les collectivités. Et puis aussi remercier des parents, des citoyens, des associations conseils, des sociétés de restauration qui étaient présentes, des responsables de restaurants d'ici, de Loire-Atlantique ou plus loin d'ailleurs, et bien entendu des fournisseurs qui étaient présents. Donc, je vous dis merci à tous. Je vois qu'il est 18h29, 18h30. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt, j'espère. Le prochain webinaire sera avec en prise de parole des chefs de cuisine de différents types de restauration et aussi des personnes qui animent les projets alimentaires territoriaux. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.